Nous sommes qu'un. Amen. On prie et on élève nos cœurs d'une seule voix. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ce temps béni. Oh, tu nous as dévancés parce que ton esprit œuvre au milieu de nous, dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos couples et dans ton église qui est ton corps. Oh, merci, merci pour ce temps de louange où ensemble, d'un seul cœur, nous allons pouvoir te louer, te bénir et t'adorer. Merci pour le temps de la prédication. Bénis ton serviteur, pasteur Sotzen. Merci de faire reposer sur lui ta grâce, ton inspiration, ton onction, ta force. Merci pour ce temps de sainte scène, de communion. Oh, merci Seigneur, merci, merci. Parce que ta présence nous fait du bien. Ton onction nous fait du bien. Seigneur, ta grâce nous fait du bien. Ton nom est un nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Tu bénis tous ceux qui entrent dans ce lieu ce matin. Tu poses ta main sur les vies de tous ceux qui entrent dans ce lieu ce matin. Et qu'il y ait un moment de gloire, ta gloire, Seigneur. Tu nous as déjà donné ta gloire, Seigneur. Alors que ce moment soit vraiment explosif, au nom de Jésus, nous te le demandons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Que Dieu bénisse la louange. Merci, Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous êtes content d'être dans ce lieu ce matin pour adorer le grand vainqueur? Amen. Celui qui nous a délivrés, celui qui nous a bénis, qui nous a délivrés du pouvoir du mal. Amen. Nous allons chanter ce chant qui brise le pouvoir de la mort et du mal, qui aime d'un amour si puissant et si fort. C'est notre Dieu, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Qui secoue la terre, qui secoue la terre.
Merci Père Tout-Puissant ce matin. Nous te donnons toute la gloire Seigneur. Nous voulons Seigneur voir ta gloire briller dans ce lieu. Nous voulons voir ta gloire Seigneur briller dans la vie de chacun de mes frères et sœurs qui sont ici présents et ceux qui nous regardent Seigneur au travers de tous les écrans Seigneur. Que ta présence Seigneur vraiment puisse les envahir au nom de Jésus. Oh donne-nous Seigneur voir ta gloire en ce lieu Jésus. Merci Jésus, gloire à toi Seigneur. Alléluia. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Je veux vivre par ton esprit. Je m'abandonne à toi dans le lieu très saint. Remplis-moi de ton. Encore une fois, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Je veux vivre par ton esprit. Je m'abandonne à toi dans le lieu très saint. Remplis-moi de ton feu. Disons, remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi de ton feu. Demande-lui de te remplir. Remplis-moi. Parle-moi.
Merci Seigneur Jésus. Alléluia, louange à toi Seigneur. Oh ton Esprit Saint, move dans ce lieu, move dans ce lieu. Move dans ce lieu Seigneur. Reçois notre adoration en ce moment même. Reçois nos louanges Seigneur. Nous élevons les mains devant toi pour t'adorer Seigneur. Nous élevons les mains devant toi pour t'adorer, pour te donner toute la gloire que toi seul tu mérites Seigneur. Alléluia. Nous voulons t'adorer Jésus. Jésus, reçois nos prières, reçois nos adorations.
Pour laquelle je vis, c'est fort, hein? Est-ce que nous voulons le déclarer cela ce matin? C'est la raison pour laquelle je vis, amen. C'est pour t'adorer. On peut acclamer encore le Seigneur, alléluia. Nous allons entrer dans ce temps d'adoration, de louange, sous une autre forme, l'aspect de la Sainte Cène, parce que nous sommes déjà dans l'adoration et dans la louange. Je voudrais lire dans l'évangile de Jean où Jésus dit, chapitre 10, verset 15, « Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Tu es peut-être cette brebis que Jésus cherche et qu'il va trouver ce matin. » À la réponse de ton cœur. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Écoutez bien le verset 18. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. Jésus n'est pas mort par accident,
mais il est mort par amour pour toi. Jésus n'est pas mort parce que les Romains l'ont cloué à la croix, mais il est mort pour sauver ta vie. Jésus n'est pas mort parce que des Juifs religieux ont décidé de le crucifier, mais il est mort pour que ce matin encore, tu puisses espérer en lui, tu puisses croire en lui, et tu puisses, si ce n'est pas le cas, être sauvé, te laisser trouver par ce bon berger. Amen. On va donc partager ensemble pour tous ceux qui sont engagés dans les eaux du baptême. Nous allons partager ce matin le pain et le vin. Nous allons prendre cette coupe. Ce pain qui représente la vie de Jésus, ton offrande volontaire. Amen. J'insiste, c'est une offrande volontaire. Nous avons chanté ce matin que ma seule raison de vivre, c'est adorer. Nous ne pourrons pas dire que la seule raison de vivre, merci, de Jésus, quand il est venu dans ce monde, c'était sa raison à lui, c'était de nous sauver, parce qu'il nous aime. Amen. Voilà, on partage ensemble ce matin ce pain qui représente son corps. Alléluia. Merci Jésus. Nous t'adorons Seigneur pour ton sacrifice vivant. Merci, merci. Merci, merci d'être venu nous chercher. Nous t'adorons Seigneur. Nous t'adorons. Ensemble, partageons la coupe qui nous rappelle que Jésus volontairement est mort et que son sang a coulé pour le pardon de nos péchés. Alléluia. La louange qui monte vers toi, Seigneur. Alléluia. Jésus sauveur bien-aimé. Amen. Voilà, soyez les bienvenus. Vous allez bien? Très bien, nous sommes heureux de nous retrouver dans ce dimanche de Pentecôte. Un dimanche pas comme les autres, c'est un dimanche qui rappelle ce que le Seigneur a accordé à l'Église, une grâce merveilleuse. Cela nous est rapporté dans Actes chapitre 2, verset 1. Actes chapitre 2, verset 1, il est dit « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. » Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Nous allons prier, nous allons vraiment demander au Seigneur de nous parler, au travers de sa parole. Nous croyons que ce que nous annonçons, ce n'est pas des choses du domaine des hommes, c'est des choses de Dieu. Alors nous avons vraiment besoin de l'assistance du Saint-Esprit pour nous vraiment enseigner, pour nous éclairer, pour se révéler à nous. Amen. On va prier. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Nous te bénissons pour la grâce que tu nous permets d'être là au contact de ta parole. Seigneur, en bien des endroits, c'est difficile. Mais Seigneur, tu nous permets là d'être ensemble, dans la paix, dans la communion fraternelle. Seigneur, nous rappeler de ce que tu as fait il y a 2000 ans. Tu es venu, comme notre frère Jacques le disait, personne ne t'a forcé, c'est toi qui es venu. Tu as accepté d'être crucifié. Tu as accepté les insultes, la couronne d'épines. Tu as accepté de pousser ce cri, Père, Père. Pourquoi m'as-tu abandonné? Tu as accepté d'être mis sous la terre des hommes, mais par la puissance du Saint-Esprit, 3 jours plus tard, tu es ressuscité. Et nous te bénissons, Seigneur. Tu nous as fait une promesse extraordinaire
d'abord à nos aînés, à ceux qui nous ont précédés. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Seigneur, nous sommes là encore comme des témoins de ta grâce, de ta puissance. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus une fois de plus au travers de ce qui sera dit. Tu sais combien je suis limité, combien je suis impuissant par rapport à toute cette foule qui a besoin d'entendre parler de toi. Seigneur, il n'y a aucune préparation qui pourra remplacer ce que toi seul peux faire dans les cœurs. Alors Seigneur, parle à nos cœurs, parle à nos vies, afin qu'en tout et pour tout, ton nom seul soit glorifié. Amen. 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 Lorsque nous parlons de la Pentecôte, et surtout en tant que pentecôtiste, cela évoque la venue en puissance du Saint-Esprit. Jésus va prendre ses disciples au début de son ministère. Il va les emmener avec lui en internat. Ils vont vivre avec lui matin, midi et soir. Il va les enseigner. Il va leur enseigner les choses que les scribes, les gens de leur temps n'ont jamais pu enseigner. Parce que lui, il enseignait avec autorité. Et une fois qu'il les a enseignés, certains là où ils auraient pu tenter de croire qu'ils pouvaient maintenant aller vers les autres, Jésus va leur dire, vous restez ici, vous restez ici. Vous resterez dans cette ville de Jérusalem tant que vous n'aurez pas été revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et lorsqu'on évoque la Pentecôte, on évoque ces paroles de Jésus, qui estimait que le disciple ne pouvait pas aller plus loin, il ne pouvait pas faire son œuvre s'ils n'avaient pas été remplis du Saint-Esprit. Les disciples vont être remplis du Saint-Esprit suite à cet événement, et après encore cet événement renouvelé dans la puissance de l'Esprit. À partir de là, il va y avoir des miracles. Des aveugles vont voir, des sourds vont entendre. Des paralytiques vont se lever. Des personnes possédées vont être complètement délivrées. Lorsque nous parlons de la puissance de la Pentecôte, nous évoquons la puissance du Saint-Esprit. Mais ce matin, j'aimerais avec vous voir d'autres vérités qui se cachent derrière cet événement. Quatre vérités qui se cachent derrière cet événement de la Pentecôte. La première des vérités nous est rapportée dans Actes 1:8. Jésus va dire, vous restez ici jusqu'à ce que vous ayez reçu la puissance de l'Esprit. Les disciples vont obéir. Au début, ce n'était pas évident. Parce que lorsque Jésus est enlevé, ils sont là à regarder vers le ciel. Et les anges vont leur dire, mais pourquoi vous regardez vers le ciel? Il vous a dit quelque chose. Ils vont obéir. Ils vont se retrouver régulièrement, jour après jour, semaine après semaine. Et la promesse ne se réalisait pas le premier jour, ni le deuxième, ni le troisième, ni la première semaine, ni la deuxième semaine. Pentecôte veut dire 50 jours. Ça veut dire que c'est seulement 50 jours après que va se réaliser ce que Jésus avait dit. Et la première des vérités que nous rappelle la Pentecôte, c'est que Dieu tient toujours ses promesses. Amen. Dieu tient toujours ses promesses. Tu as besoin de l'entendre aujourd'hui. Dieu ne veut pas simplement te parler de sa puissance qu'il a révélée à la Pentecôte. Mais derrière cette notion de puissance, il se cache cette vérité, c'est que Dieu tient toujours ses promesses. Si Dieu t'a fait une promesse, Dieu tiendra ses promesses. La Bible nous dit dans Nombres, chapitre 32, verset 19, « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? » C'est-à-dire que la parole de Dieu n'est pas une parole fragile. La parole de Dieu n'est pas une parole, lorsque vient l'adversité, elle s'affaiblit. La parole de Dieu est une parole forte. Et Dieu avait dit, vous restez ici et je vous fais la promesse de venir vous baptiser de l'Esprit. Alors les disciples vont attendre. Pourquoi? Parce que Dieu tient toujours ses promesses. Ce matin, j'aimerais que tu réfléchisses, toi qui es là, et aussi à ceux qui nous suivent à distance. Quelle promesse Dieu t'a fait? Et dont aujourd'hui tu doutes. Quelle est cette promesse que Dieu t'a faite, dont tu doutes? Et Dieu te rappelle ce matin qu'il est le Dieu de la promesse. Amen. Il est le Dieu de la promesse. Il n'est pas un homme pour mentir. Il a dit à ses disciples et il va le faire.
Lorsque Dieu nous fait des promesses, ce n'est pas toujours évident. Souvent, il le fait dans un contexte particulier. Les promesses sont souvent faites dans un contexte particulier. Les promesses, lorsqu'on vous fait une promesse, vous avez besoin d'entendre que quelqu'un dit « c'est promis ». Parce que quand quelqu'un dit « c'est promis », c'est un engagement. C'est un engagement. C'est quelque chose de ferme. Et souvent, lorsqu'une personne nous promet quelque chose, cette personne le dit dans un contexte où tout ne semble pas favorable à ce qu'elle promet puisse se réaliser. Mais voici, on s'accroche à la parole puisqu'elle dit « c'est promis ». N'est-ce pas ? C'est promis. Vous dites à vos enfants, vous faites des promesses à vos deux enfants de telle et telle chose. Et ils s'accrochent à ça. Souvent, ils disent « papa, maman, tu l'as promis ». Pour dire par là que ce que tu as dit là, en disant « je promets », eh bien, tu as ajouté une note particulière. Tu as sorti ta parole d'un contexte ordinaire, d'un contexte habituel. Tu lui as donné un relief particulier. Tu as promis. Lorsque Dieu fait des promesses, il le fait toujours dans un contexte souvent particulier. Il y a des fois, l'adversité est là. Et on est tenté de douter des promesses de Dieu. Mais lorsque Dieu te fait des promesses, s'il a fait des promesses, il savait très bien que l'adversité viendrait. Il savait très bien qu'il y a un moment donné, le diable allait t'assiéger du doute. Il allait t'assiéger comme Adam et Ève. Dieu a-t-il réellement dit ? Parce que voici la puissance du diable. Il n'est pas plus fort que Jésus, mais voici sa puissance. Elle est fondée sur le doute. Autrement dit, le diable a la puissance que nous lui octroyons, que nous lui donnons. Souvent, nous le voyons avec plein de puissance, mais il a la puissance sur nous que la puissance que nous lui donnons. Parce qu'en Jésus, la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, lorsqu'on est là, assis dans les promesses de Dieu, le diable, il sait que la seule chose, c'est de semer le doute. Dieu a-t-il réellement dit, regarde même la situation. Regarde depuis que tu pries, depuis que tu t'attends à Dieu. Regarde même. Est-ce que Dieu peut faire quelque chose dans un tel contexte ? Laisse-moi te dire, Dieu est celui qui fait pousser l'herbe dans le désert. Amen. Et le diable, souvent, il veut te faire voir le désert. Il veut te faire voir que dans le désert, il ne peut rien pousser. Mais tu oublies une chose. Il faut lui dire, Satan, tu as raison. Dans le désert, il ne peut rien pousser. Mais mon Dieu est le Dieu du miracle. Amen. Le Dieu est le Dieu du miracle. C'est quoi le miracle ? Le miracle, c'est de produire quelque chose là où le contexte, où le terrain n'est pas favorable. Le miracle, c'est l'aveugle dont on a dit, tu ne peux plus voir. Et bien, à ce moment-là, parce que Dieu dit l'inverse, l'aveugle voit. Le miracle, c'est celui qui ne peut pas entendre depuis la naissance et qui entend pour la première fois les paroles. C'est ça le miracle. Lorsque Dieu parle de promesses, il parle de quelque chose souvent de miraculeux pour la plupart du temps. Il fait des promesses sur des choses que souvent on n'ose pas espérer. Il dit, mais je te fais une promesse. La Pentecôte rappelle que notre Dieu est le Dieu de la promesse. Amen. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Je peux vous dire des choses, mais ce n'est pas sûr que je le fasse. Parce que comme dira Paul, il y a des fois, je suis à même de vouloir le bien, mais pas toujours capable d'accomplir. Mais ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Il n'y a personne dans l'univers qui puisse dire à Dieu, non, tu ne peux pas le faire. Impossible. Dieu est Dieu, il est le Créateur. Tout le reste, c'est que de la créature. La Pentecôte nous rappelle que Dieu est le Dieu de la promesse. Alors, il avait fait cette promesse bien auparavant, pas simplement là, à la Pentecôte, parce que Jésus, ce qu'il va promettre à ses disciples, c'est une promesse qu'il avait déjà faite dans l'Ancien Testament, par le prophète Joël, dans les temps de la fin, vos jeunes gens auront des songes, des visions, etc. Et lorsque cela se produit, Pierre rappelle bien cette promesse. Elle était encore plus ancienne. Et Jésus va en quelque sorte rappeler cette promesse, va lui donner sens. Et là, à la Pentecôte, 50 jours après, quelques centaines d'années plus tard, par rapport à Joël, Dieu va tenir sa promesse. Et ce qui est formidable avec la Pentecôte, c'est que cette promesse, elle est aussi pour nous, aujourd'hui. Amen. La promesse de Dieu avec le temps, eh ben, il ne se déprécie pas, il ne s'affaiblit pas. Il est toujours d'actualité. C'est une promesse toujours aussi forte. Amen. Dieu est le Dieu de la promesse. Amen. J'aimerais te dire que lorsque Dieu fait une promesse, il tient toujours parole.
Mais sauf que ces promesses ont souvent besoin de héros. Les héros qui disent, Seigneur, quelle que soit l'adversité, moi je tiens ferme en toi, parce que je sais qui tu es. Première des vérités, cachée derrière l'événement de la Pentecôte, c'est que Dieu est le Dieu de la promesse. Et lorsque tu sortiras de ce lieu, lorsque tu seras dans ta voiture, lorsque tu seras dans ta maison, lorsque tu seras dans ta cuisine, lorsque tu seras à ton travail, lorsque tu seras dans ta chambre, souviens-toi que Dieu est le Dieu de la promesse. À ce moment-là, célèbre-le, loue-le. Parce que lorsque on sait que notre Dieu, ce qu'il promet, il accomplit, et donc il va finir par le faire, alors, à ce moment-là, notre attitude, la foi devient une attitude. La foi devient louange. La foi devient adoration. La foi devient célébration. La foi devient paix. La foi devient assurance. La foi devient proclamation. Première des vérités derrière l'événement de la Pentecôte. Notre Dieu est le Dieu de la promesse. Amen. Deuxième vérité. L'évangile, pourquoi, qu'est-ce qui se cache derrière l'évangile? Qu'est-ce qui se cache, pardon, derrière la Pentecôte? Si la Pentecôte, le Seigneur a promis son esprit, c'était à cause de la nature, de la particularité du message de l'évangile. L'évangile, c'est plus que des mots. L'évangile, c'est plus que des mots. Dieu, en fait, il ne veut pas parler à des cœurs. Dieu ne veut pas parler à des oreilles. Dieu, il veut en fait transformer des vies. Sauf que cette transformation des vies, elle commence toujours par les mots. Elle commence par sa parole. Mais le but de Dieu, ce n'est pas de parler pour parler, c'est d'opérer une transformation. Le but de la prédication, ce n'est pas d'être proclamé. Le but de la prédication de l'évangile, c'est de produire quelque chose, une action. L'évangile, c'est un message d'une autre dimension. Ce n'est pas les messages que nous pouvons recevoir en SMS. Ce n'est pas le message de la terre. Ce n'est pas le message des hommes. L'évangile, c'est un message qui vient du ciel. Nous parlons ici des choses du ciel. Amen. Et lorsque nous parlons des choses du ciel, la personne qui peut le mieux parler des choses du ciel, c'est celui qui est descendu du ciel. Amen. C'est celui qui est descendu du ciel. Voilà pourquoi Jésus peut parler des choses du ciel, parce que lui, il est descendu du ciel. Toute personne qui prétend parler du ciel sans Jésus est un usurpateur. Jésus peut parler du ciel parce qu'il sait ce qu'il y a dans le ciel. Il descend du ciel. Amen. Et le Saint-Esprit qu'il envoie peut nous parler du ciel. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il y a dans le ciel plus profondément. La Bible dit, l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Il sonde les profondeurs de Dieu. Il sait ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Et donc l'Esprit, lorsqu'il descend à la Pentecôte, il veut saisir des hommes et des femmes pour qu'ils parlent de ce que lui, il a vu dans les profondeurs de Dieu. Et lorsque l'Esprit parle des profondeurs de Dieu, l'Esprit nous conduit dans une autre dimension des choses. On n'est plus dans des discours qu'on scène la sagesse. C'est pour cela que Paul va le dire. Il va dire, « Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons, non avec les paroles qu'on scène la sagesse humaine, mais avec celles qu'on scène l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. » L'Évangile est quelque chose d'une autre nature. Il faut que ça soit Dieu qui nous parle de l'Évangile. Et comment Dieu nous parle de l'Évangile? Il nous parle par le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il était indispensable pour Jésus que le Saint-Esprit descende à la Pentecôte sur les disciples, les saisisse de manière à ce qu'ils parlent puissamment. Et c'est ce qui va se passer à la Pentecôte. Pierre, Jean, les autres apôtres, alors qu'ils étaient apeurés, ils étaient souvent à se cacher. Mais là, à ce moment-là, lorsque les personnes viennent leur demander compte de ce qui se passait, de ces parler en langue, de ces gens qui louaient Dieu dans des langues extraordinaires, en disant des merveilles de Dieu, il nous est dit que Pierre et Jean, debout devant eux, se mirent à dire, « Hommes, femmes, hommes de Jérusalem, ce que vous voyez, ils ne sont pas ivres, mais c'est ce qu'avait dit le prophète. » Et il se mit en parlant des prophètes pour arriver à Jésus-Christ. Plus loin, on l'emmène devant
le Sanhédrin, devant les autorités. Il est dit qu'ils étaient surpris de l'autorité de Pierre et de Jean, de l'autorité des disciples. Parce qu'à ce moment-là, ils étaient en train de parler comme Jésus. Un jour, des gardes sont venus arrêter Jésus. Ils ont entendu parler Jésus, ils sont retournés, ils ont dit aux ceux qui les ont envoyés, écoutez, les gars, jamais homme n'a parlé comme parle cet homme. Si vous, vous voulez arrêter, allez-y. Mais nous, on ne peut pas arrêter quelqu'un comme ça. Il parle, non pas en parlant des autres, il ne parle pas comme les hypocrites que nous, on a vu prier au coin des rues. Lui, il parle comme ayant autorité. Lorsque l'Esprit saisit ses enfants, à ce moment-là, ils sont saisis de l'assurance que Dieu seul donne. Ils sont saisis de l'autorité que Dieu seul donne. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, on n'est pas en train de parler de la terre, des choses du monde, mais on est en train de parler des choses spirituelles. Or, les choses spirituelles doivent être expliquées avec un langage spirituel. Et celui qui explique avec un langage spirituel, c'est le Saint-Esprit qui connaît ce qu'il y a dans le cœur du Père. Amen. Il connaît cela. C'est un message différent. La Bible nous dit aussi que ce message, elle est une puissance. Paul dira, Romains chapitre 1, l'évangile est une puissance. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. L'évangile est une puissance. Tu as essayé beaucoup de choses, mais tu n'as pas essayé la puissance de Dieu. Il faut essayer la puissance de Dieu. Il y a toutes sortes de personnes sur cette terre, puissance. Il y a toutes sortes d'expressions ou caractéristiques de la puissance. Mais il y a une puissance qui est au-dessus de tout, c'est la puissance de Dieu. Elle transcende tout, elle interpénètre tout. Là où les hommes sont limités, Dieu vient, transcende tout et bouleverse tout. L'évangile est une puissance parce que celui qui était aveugle voit. Celui qui était méchant, qui battait sa femme, ses enfants, qui semait la terreur. Un jour, il rencontre Jésus, il est complètement transformé. Oui, Dieu peut faire cela. Et peut-être dans ce que je dis là, certains se reconnaissent parce qu'il est violent, un mari violent qui aime taper. Dieu te regarde. Et Dieu te dit, fais attention, quand tu touches là, tu touches à mes enfants, mais je suis celui qui peut te transformer. Tu as essayé par te transformer toi-même, ton caractère, mais moi je suis celui qui te transforme véritablement. Laisse-moi transformer ton caractère. Tu as essayé le psychologue, tu as essayé tel et tel moyen, tu as essayé même la cigarette, tu as essayé toutes sortes d'expédients pour te calmer. Mais non, tu n'as pas essayé la puissance de Jésus. La puissance de Jésus est une puissance de transformation. Un homme qui arrêtait les chrétiens, les mettait dans les prisons, les traitait durement. Un jour, il va rencontrer cette puissance sur le chemin de Damas. De Saul, il va devenir Paul. Il va devenir le proclamateur de l'évangile. Saul, c'était ce nom hébraïque qui rappelait son attachement tellement à Israël, sa tradition, sa culture, son enseignement. L'héritage qu'il avait reçu au pied de Gamaliel, le grand rabbin. Mais il va s'appeler Paul. Ce nom, son côté grec, qui ouvre à l'ouverture. Parce que Dieu va faire de lui l'apôtre des gentils, l'apôtre des nations. Il y a une puissance. L'évangile est une puissance. Pour le salut de quiconque croit. Le salut de quiconque croit. L'évangile est une puissance. Et celui qui donne la puissance lorsque tu annonces l'évangile, et celui qui crée, celui qui est porteur de cette puissance, la Bible nous enseigne, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit exprime la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est celui qui rend concret l'évangile. Tu peux croire en Jésus, mais il faut que tu crois aussi que le Saint-Esprit est là, qui va te transformer. La foi en Jésus, ce n'est pas juste un exercice mental, intellectuel, mais la foi en Jésus, c'est recevoir la vie de Jésus. Je ne sais pas comment Dieu fait cela, mais la Bible dit que désormais, lorsque nous croyons en Dieu, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Dieu, pleinement, vient habiter en nous. Waouh ! C'est tellement fort qu'il y a des gens qui ont du mal. Les témoins de Jéhovah ont du mal à ça. Ils disent non, non, non. Quand tu crois en Jésus, tu reçois une petite portion de Jésus. Tu reçois une petite portion de l'Esprit. Mais ce n'est pas l'enseignement de l'Écriture. La Bible dit Christ en vous pleinement, par son Esprit, l'espérance de la gloire. Ce n'est pas juste des petites choses. Mais c'est vraiment Dieu qui vient pleinement habiter en nous.
Et le problème, nous avons du mal parce qu'on essaie toujours de savoir, Seigneur, comment tu peux, etc. Dieu ne te demande pas de savoir comment il peut. C'est lui qui a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Il te demande simplement de croire et de recevoir et d'accepter et de te laisser transformer. Amen. Première vérité, nous voyons, il nous est dit que Dieu tient ses promesses. Deuxième vérité, l'évangile est plus que des paroles, mais c'est un message qui vient du ciel. C'est une puissance de transformation. Et les disciples vont tellement comprendre cela que lorsqu'ils sont persécutés, ils disent, Seigneur, donne-nous de l'assurance. Manifeste ta puissance. Il nous est dit, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes, des prodiges, etc. etc. Amen. Et ce qui veut dire que lorsque tu es amené à annoncer l'évangile, ben tu dois comprendre que quelque part, Dieu ne veut pas, et c'est la troisième vérité, Dieu ne veut pas que tu sois seul. Ce qui se cache derrière l'événement de la Pentecôte, c'est que désormais, Dieu ne veut pas que tu sois seul. Dieu veut travailler avec toi. Dieu veut travailler avec toi. Dieu veut se révéler à toi. Dieu ne veut pas que tu fasses seul. Parce que le projet de Dieu, ce n'est pas que tu fasses seul. Il y a des fois, si tu échoues, c'est parce que tu essaies de faire seul. Mais Dieu ne veut pas que tu fasses seul. Et je veux vous dire une grande vérité. Parce que cette vérité est puisée dans une grande vérité bien plus profonde, bien plus ontologique. C'est que Dieu ne fait pas seul. La Bible enseigne que Dieu est une communauté. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'une seule nature divine. En théologie, on dit qu'il y a un seul ousia. C'est un mot grec. Pour dire une seule substance. Il n'y a qu'une seule substance divine. Tout-puissant, omniscient, etc. Mais cette réalité est partagée par trois personnes. Le Père, le Fils et l'Esprit. Et de toute éternité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit collaborent ensemble, intimement, extrêmement intimement ensemble. Et lorsque Dieu travaille, Dieu, il aime travailler en équipe. Dieu, il aime travailler en équipe. Amen. Est-ce que vous le savez ça? Dieu aime travailler en équipe. Il aime cela. De toute éternité, il aime cela. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit collaborent ensemble. Genèse chapitre 1, au commencement, tu étais tout ébobu. Ébohu, l'Esprit de Dieu était là, il se tenait. Et le Père dit, la parole est exprimée. Et c'est là que l'Esprit travaille. Il aime travailler. Et lorsque Dieu, il crée ensemble, Père, Fils, Esprit, il crée le monde ensemble. Lorsque l'homme et la femme pêchent, et bien là encore, le salut de Dieu est toujours une œuvre trinitaire. Et ce salut et cette mission qu'il donne à l'Église de proclamer l'Évangile, il ne veut pas que ça soit une mission solitaire. Mais il veut que ça soit une mission solidaire avec lui. Dieu, il envoie l'Esprit parce qu'il ne veut pas que ses disciples soient seuls. Il ne veut pas qu'ils soient seuls, d'autant plus qu'il leur a dit une chose. On vous traînera devant les tribunaux. On vous accusera faussement, etc. On vous trahira dans une même maison. Il y aura opposition entre celui qui croit et celui qui ne croit pas. Il y aura des persécutions, etc. Et au milieu de ça, il dit qu'il va s'en aller, que lui, il sera maltraité. Oh, les disciples sont déstabilisés. Seigneur, on a tout lâché pour toi. Mais il dit, je ne vous laisse pas seul. Je ne vous laisse pas seul. Je vais vous envoyer qui? Un consolateur. Quelqu'un qui va vous consoler de mon absence physique. Quelqu'un qui va vous consoler de ne pas entendre ma voix de manière sonore. Quelqu'un qui va vous consoler du fait que je ne peux pas vous étreindre physiquement. Quelqu'un qui va vous consoler de ce que je ne peux pas manger avec vous. Et cette personne-là, c'est le Paraclet. C'est le Saint-Esprit. Il sera en vous, pas seulement à côté de vous, mais il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Il y aura des fois, on vous emmènera dans des endroits où vous aurez peut-être, les gens auront le sentiment que vous êtes seul, mais en fait, vous ne serez pas seul. Quand vous ne saurez pas ce qu'il faut dire, je vous donnerai les mots qu'il faut. Quand vous ne saurez pas ce qu'il faut faire, je vous montrerai comment faire.
Je vous communiquerai mon audace. Je vous communiquerai mon assurance. Je vous communiquerai mes certitudes. Je vous communiquerai ma parole. Je vous communiquerai ma puissance. Vous ne serez jamais seul. Il y a des fois ce sentiment, on est là, Seigneur, je suis seul. Tu es là face à souvent l'adversité. Tu es là déjà dans ta propre vie personnelle, dans ton couple. Il y a des situations où tu dis, Seigneur, je me sens seul, vraiment. Et Dieu dit, non, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et bien plus que ça, la Bible dit, il est le Dieu de compassion. C'est-à-dire, il compatit avec toi. Compatio. Il est avec toi. Il est avec toi dans la douleur, dans la souffrance. Il est là. Il ne te laisse pas seul. Tu crois que les décisions, tu as prié, tu dis, Seigneur, je suis seul à décider. Non, tu as prié. Dieu est avec toi dans la prise de décision. Le problème, c'est que tu dis, Seigneur, je ne sens pas. Dieu ne te demande pas de le sentir. Sache-le. Plus tu vas le proclamer intérieurement, plus tu vas vivre cette présence de Dieu. Plus tu vas vivre sa paix. Tu n'es pas seul. Déjà dans ta vie personnelle, dans ta vie familiale, les enfants. Et combien, quand on est parent, les enfants, c'est souvent inquiétant. Et on se dit même qu'ils sont inquiétants les premières années, tu parles. Ce n'est pas que les premières années. Les premières années, ils t'empêchent de dormir, c'est tout. Moi, ça m'a toujours fait rire, les gens. Avant, quand vous n'avez pas des parents, quand vous n'avez pas d'enfants et vous avez des bébés, vous dites, oh, vous entendez avant les parents dire, oui, mon enfant, il fait sa nuit. Moi, je me dis qu'on fait nuit. On dort à 18h, 19h. On se réveille à 8h, 9h. Non. Faire sa nuit, il va dormir à 19h pour se réveiller à 2h. C'est ça qu'ils appellent ça. Mais ce n'est pas une nuit, ça. C'est une garde. Vous voyez, au début, vous êtes comme ça. Et les enfants, c'est ces inquiétudes-là. Manger, etc. Faire le... Bon, voilà, on est là. Prépare les biberons. Ça, c'est les inquiétudes du quotidien. Après, vous dites, ah, quand on arrivera là, ça y est, c'est fini, on va pouvoir se reposer. On va passer à autre chose. Après, je pourrai les emmener là. Tu parles. Tu rigoles ou quoi? 3, 4 ans. 5 ans. C'est encore d'autres problématiques. Après, tu dis, non, mais quand ils vont arriver à l'école, ça va être bien. À la maison, je serai un peu reposé. Mais tu parles. Ils reviennent à la maison avec des nouvelles problématiques, avec des nouvelles inquiétudes, avec des nouveaux mots. Qui t'a dit ça? Le plus inquiétant, ce n'est pas quand ils disent que c'est le copain, c'est quand ils disent maintenant, c'est le maître qui a dit. Après, vous dites, ils vont aller au collège. Là, ils sont un peu plus autonomes, lycée, tout ça. Tu parles. Déjà, tu dois t'inquiéter. Oui, mais bientôt, il y a l'école. Il y a les écoles privées, il faut payer, il faut faire tout ceci. Il y a des fois à la maison, c'est l'âge aussi où tu es plus que jamais l'ONU à la maison. Tu dois souvent faire, vous voyez, il y a tout ça, etc. Et un jour, il se dit, je vais me marier. Ah. Et là, tu es là. Et quand tu vois la tête du gars, tu dis, Seigneur, tu m'as abandonné. Bon, bref. Ou même quand tu vois la tête de la fille, quoi. Tu dis, Seigneur, est-ce bien toi? Vous voyez? Et parce que vous avez rêvé que votre enfant, un jour, il viendra vous présenter. Vous savez, cette personne, que, en fait, il n'y a que vous qui pouvez aimer cette personne. C'est ça, les parents, ils veulent toujours que leur enfant présente la personne. En fait, vous présentez, vous voulez que votre enfant vous présente un autre amoureux. Mais c'est son amoureux, son amoureuse à lui, à elle. Mais vous aimeriez tellement qu'il arrive, qu'il ait tous pour lui, qu'il n'ait aucune inquiétude, qu'il n'ait pas un regard louche. Rien de tout ça. Et vous êtes souvent la seule avec vos interrogations. Dis, Seigneur. Et Dieu dit, même là, dans l'éducation des enfants, dans le cheminement, je ne veux pas que tu sois seul. Je suis là avec toi. Dans le travail, il y a des personnes qui sont bien payées, super salaire, mais ils le disent, hier je l'entendais encore, dans un temps de prière. Des personnes qui disaient, voilà, je vais au travail, mais il y a l'angoisse, j'ai des larmes, etc. J'ai prié, j'ai étudié pour ça, pour ce travail, mais voici, c'est stressant. En plus, vous y allez, quand vous pensez aller au boulot, vous pensez à cette personne-là particulière, à ce chef de service, à ce responsable, ou à ce pseudo-responsable. Il y en a, ils ne sont même pas responsables, mais ils se comportent comme s'ils étaient, juste parce qu'ils ont ils ont été recrutés 12 jours, 2 jours avant vous.
Ils sont là, intrigués. Vous êtes en Jésus, mais ils sont là. Ça vous fatigue. Il y a des fois, vous aimeriez leur dire, pas les quatre vérités, mais les 10 vérités tellement qu'ils cumulent. Seigneur, je suis là seul. Et Dieu dit, non, je ne veux pas que tu sois seul. Dans l'évangélisation, dans le témoignage chrétien, tu dis, Seigneur, comment lui parler? Il dit, mais c'est justement pour ça que je suis là. C'est pour cela que j'ai envoyé mon esprit. Je ne veux pas que tu sois seul. Amen. Et la Bible nous dit, ce paraclet-là, il est défini ainsi. C'est l'image que, autrefois, dans les tribunaux, il y avait des tribunaux, mais il n'y avait pas encore des avocats. Comme quoi, il y avait, avant même qu'il y ait des défenseurs, il y avait toujours des gens pour juger. Il nous est dit, en parlant du paraclet, du paraclétos, c'est comme dans les tribunaux d'autrefois, les accusés comparaissaient devant la cour accompagnés d'un ou plusieurs de leurs amis. Il n'y avait pas d'avocat, mais ils prenaient un ou plusieurs de leurs amis. J'aime bien cela. Le Saint-Esprit, un ami. Un ami. Il est dit, cet ami avait une particularité. Souvent, il venait avec un ami influent, capable d'impressionner la cour, de parler au juge. Qui est plus influent que le Saint-Esprit ? En toi. C'est Dieu en toi. Il est le consolateur. Des amis influents, on les appelait en grec paraclétès et du latin advocatus, qui a donné le mot avocat. Quel était leur rôle ? Eh bien, ceux-ci donnaient à leur ami accusé le réconfort de leur présence. Le réconfort de leur présence. À partir de la Pentecôte, les disciples sont réconfortés, sont consolés. Le réconfort de leur présence personnelle et l'aide de leurs sages conseils. Seigneur, montre-moi. Et le Saint-Esprit nous enseigne au travers de la parole. Il est dit que cet avocat-là, ce paraclétès, il leur disait ce qu'il fallait dire et ce qu'il fallait leur faire. Il est dit qu'il s'appropriait leur cause. Il faisait de leur cause sa cause. Oh, c'est magnifique quand Jésus nous parle du paraclet. Il dit, voilà ce qu'il va faire. C'est ça qu'il va faire. Je ne te laisserai plus jamais seul. Et combattant, frères et sœurs, cette idée qui voudrait que le diable ait une telle puissance que Christ, eh ben, il va avoir du mal à se frayer un chemin. Là où le Seigneur est, il y a son autorité qui est assise. Il nous est dit, lorsque le chef de l'armée de l'Éternel vient voir Josué, il lui dit, enlève tes sandales parce que le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Lorsque l'arche de l'Alliance est rentrée dans le temple de Dagon, il nous est dit la statue de Dagon à plusieurs reprises est tombée genou à terre. Pourquoi ? Parce que là où il y avait la présence de l'Esprit, la présence du diable n'avait pas à être citée. Lorsque Dieu est avec toi, il est vraiment avec toi. Tu n'es pas seul. Le Seigneur, il sait ce que le diable peut faire, cet esprit peut faire. Il connaît les limites de sa puissance. Il sait que potentiellement, humainement parlant, il est bien plus puissant que toi. Il connaît sa puissance de destruction, de mensonge. Il sait comment il peut déstabiliser. C'est pour cela qu'il envoie l'esprit. Pour que quand l'ennemi vient, parce que être rempli de l'esprit, c'est aussi être revêtu de l'autorité. Et là, tu n'es plus comme un soldat qui, lorsqu'il y a une guerre, qui va dire au capitaine, tirez, il y a l'ennemi. Mais toi, tu viens comme David. Il y avait des militaires dans le champ de bataille. Il y avait des hommes d'expérience, plus costauds que lui, plus âgés que lui, plus expérimentés que lui. Mais David, saisi par l'Esprit de Dieu, sous l'onction de Dieu, il dit à Goliath, qui n'est pas loin d'avoir du 3 mètres, il dit, hé, bonhomme, toi, tu crois que tu es où, toi, ici? Toi, tu viens nous embrouiller ici, là, avec ta taille, mais t'es qui, toi? Tu crois que parce que tu es grand, tu vaux quelque chose ici? Tu n'es qu'un petit bonhomme devant Dieu. Toi, tu viens avec ton glaive, ton javelot, tout ça. Mais tu veux impressionner qui? Moi, je viens au nom de l'Éternel des armées, de celui... Tu es venu défier son armée. Aujourd'hui, Dieu va me donner ta tête. Et ces Philistins vont voir que la prochaine fois qu'il faut que vous viendrez voir Israël, vous saurez qu'Israël est un grand Dieu. Et quand Goliath va venir, il va se passer quoi? Il va venir, il va se cracher là, il va se mépriser, il va mépriser David. Mais David va courir vers lui. Et avec une balle sortie de sa besace là, avec une balle, une pierre,
il va lui envoyer ça au front là. L'homme va tomber de toute sa hauteur et toute l'armée des Philistins vont être impressionnés. Parce que quand Dieu te saisit de son autorité. Amen. Et je termine pour dire, quatrième vérité, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la quatrième vérité qui se cache derrière la Pentecôte? C'est la consécration d'une communauté qu'on appelle désormais l'Église. Amen. C'est la consécration d'une communauté qu'on appelle l'Église. C'est la première fois, c'est parmi la première fois qu'on va commencer à nous parler de l'Église. Pas simplement dans les évangiles, mais l'Église en tant que communauté, en tant que vraiment groupe d'hommes, on va la voir. Et vous savez que dans l'Ancien Testament, lorsque l'onction du Saint-Esprit ou l'onction d'huile, qui en fait était la manifestation matérielle de l'onction de l'Esprit, lorsque quelqu'un recevait l'onction, c'était souvent l'onction de consécration. C'était l'onction souvent aussi pour l'approbation. Mais c'était aussi donc la consécration. Lorsque le Saint-Esprit descend là sur la communauté des croyants, il consacre cette communauté. Et lorsqu'il consacre cette communauté, il est en train de dire au monde invisible, cette communauté n'est plus comme n'importe quelle communauté. Désormais, cette communauté, quand elle parlera en mon nom, vous l'écouterez. Parce qu'elle ne parlera pas de sa propre autorité, mais elle parlera de mon nom. C'est pour cela que des hommes et des femmes de tout temps, lorsqu'ils ont compris ces réalités-là, ont laissé le Saint-Esprit les saisir, ils ont pu exercer puissamment cette autorité-là en disant au diable, au nom de Jésus. Et le diable s'est exécuté. Pourquoi? Parce que cette communauté a été consacrée à la Pentecôte. Consacrée de l'autorité de Dieu. Est-ce que tu comprends que l'Église, ce que nous sommes plus qu'un petit groupe d'hommes et de femmes de plus d'une trentaine de nationalités différentes, d'origines différentes. Mais nous sommes une communauté spirituelle. Nous avons peut-être les pieds sur la terre, mais désormais en nous, il y a quelque chose de spirituel, quelque chose du ciel. Nous sommes citoyens, devenus citoyens d'un autre royaume. Et à cause de cette citoyenneté, tu ne peux plus voir comme voit un homme de la terre. Tu dois voir comme un homme du ciel. Tu es une communauté consacrée. Et ça montre là l'importance de la communauté. Frères et sœurs, dans des temps difficiles, nous avons plus que jamais besoin de comprendre l'importance de l'Église. Il peut y avoir dans des moments exceptionnels la possibilité que nous offre notre temps avec l'Internet, mais l'Internet ne remplacera jamais cette parole. Il nous est dit dans Actes 2, ils étaient tous rassemblés dans un même lieu, dans un même endroit, parce que Dieu aime quand ils sont ensemble. Je le disais la dernière fois, la déchirure du Fils, c'est de dire « Eloi, Eloi, lama sabachthani ». Pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que lui, il vivait dans une communion parfaite. Le Père aime quand nous sommes ensemble. C'est vrai, quand nous sommes ensemble, c'est la confrontation de nos histoires personnelles, de nos caractères, de nos talents, etc. Il y a des fois, ça passe. Il y a des fois, ça ne passe pas toujours. Il y a des fois, on peut être au milieu de la communauté et se sentir seul. Malgré tout l'effort qu'on peut faire, cela arrive et arrivera encore. On va essayer encore, tenter plus que jamais d'y remédier. Mais cela n'empêche pas que l'Église est une communauté aimée de Dieu. Et Dieu veut que tu sois là. Dieu t'a donné quelque chose. Et chaque fois qu'un membre est absent des réunions de l'Église, il prive l'Église de quelque chose que Dieu a donné à l'Église. Est-ce que tu le réalises? Est-ce que tu le réalises? C'est ce que nous le réalisons. Chaque fois que vous êtes absent, l'Église est handicapée de votre présence. Parce que, à travers vous, le Saint-Esprit veut communiquer quelque chose qu'il ne communique pas à un autre. Le pasteur Jackie a un talent qui n'est pas le mien. J'ai reçu quelque chose qui n'est pas le sien. Mais tout cela participe à l'édification de l'Église. Vous avez reçu par votre vie personnelle quelque chose. Certains disent, mais je n'ai pas reçu. Mais si, tu as reçu plus que tu ne le crois. C'est peut-être parce que tu ne prends pas la peine. Nous avons toutes sortes de talents ici. Nous avons reçu quelque chose. Et lorsque nous ne le mettons pas en mouvement, alors il y a quelque chose qui se perd. Béni soit Dieu. C'est toutes ces choses-là. Hier, on avait la réunion avec toutes les personnes qu'on a mariées ces dernières années, depuis à peu près 2019, là. Voilà, on s'est réjouis, ceux qui étaient encore en préparation. On a entendu des témoignages. Et moi, je suis heureux, par exemple, avec le pasteur Andoche Likibi de Sartrouville. Ils sont à côté, mais nous collaborons ensemble.
on prépare ses mariages ensemble. J'ai des entretiens. Lui, il fait tout le temps de préparation. Après, je fais les cérémonies. Et je suis content que même là encore, on peut compter sur ces ministères-là. Nous avons tous quelque chose. Tu as quelque chose plus que tu ne le crois. Et c'est ça qui fait l'Église. Cette Église-là, le Christ l'a consacrée. C'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. Fais juste attention souvent. Il y a des fois, on peut ne pas toujours en être fier. Mais il y a une limite que Dieu n'acceptera jamais, qui peut dépasser l'insulte à son épouse. L'Église est l'épouse de Christ. Si vous avez un ami, même le meilleur de votre ami, il fait une blague sur votre femme, ça va une fois, et encore ça dépend. N'est-ce pas? Mais s'il est là matin, midi et soir, tout le temps, il dit, ah, t'as fait un... Moi, je arrête, c'est plus mon ami, je fous dehors. Ah oui, fous dehors. Je ne t'invite pas dans ma maison pour tout le temps blesser ma famille. Tu comprends? Ça, c'est important. Entre parenthèses, on aura, je vous disais, à traiter plus tard, là, on a marqué, parce que c'est la Pentecôte, mais on continuera la série sur la question du pardon et on abordera souvent cette notion, lorsque je pardonne, comment maintenant il faut faire attention de ne pas se retrouver sous le joug de l'offenseur. Et il y a des fois, en tant que chrétien, il y a des gens, on peut les mettre dehors. Il y a des fois, il faut oser. Moi, j'ai eu à le faire. Eh oui! C'est pas parce que tu es un chrétien, tu es un petit toutou naïf qui ne comprend pas. Il y a des choses, et on abordera toutes ces choses-là. Il y a des fois, il y a des gens comme ça, ils critiquent dehors. Je ne dis pas qu'il faut le faire tout le temps, hein, faites attention. Hein. Parce que j'en ai vu, la pasteur Jacques, ils ont dit, ah oui, pasteur, moi, tout de suite, là, je rentre à la maison. Non, non, faites attention. Je parle de cas bien particuliers. Mais c'est pour dire que l'Église est aimée de Jésus. Apprenons à aimer ce que Dieu aime. Amen. Quatre vérités. Dieu tient ses promesses. Dieu tient ses promesses. L'évangile est un message d'une autre nature, un message puissant. Dieu ne veut pas que tu sois seul. Et la quatrième vérité qui se cache derrière cela, c'est que l'Église est une communauté consacrée. Dieu planche sur toi un regard et sur nous un regard particulier. Et à cause de cela, nous pouvons dire que nous sommes dans la grâce de Dieu. Amen. Alors je vous invite à ce qu'on puisse bénir le Seigneur ensemble. On va prier. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ce que tu es. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Tu es notre Dieu et tu règnes. Nul n'est semblable à toi. Seigneur, merci pour ces vérités qui nous sont rappelées à travers de l'événement de la Pentecôte. Seigneur, toi, tu es celui qui tient tes promesses. Seigneur, tu vois tes enfants, il y en a qui sont ici, qui s'attendent quelque chose de toi. Tu leur as promis, Seigneur, qu'elles puissent s'accrocher à ce que tu as promis dans leur vie, dans ta parole. Seigneur, toi, tu es celui aussi, Père éternel, qui communique un message d'une autre nature. Seigneur, permets-nous de comprendre cela, afin que lorsque nous disons, Seigneur, remplis-moi de ton esprit, nous puissions comprendre, Père éternel, que c'est pour annoncer quelque chose de particulier, que c'est indispensable pour annoncer quelque chose de particulier. Seigneur, merci d'être avec nous. Regarde, Seigneur, les situations des uns et des autres, dans lesquelles, plus que jamais, nous avons besoin que tu sois avec nous. Dirige-nous, Père. Manifeste ta grâce. Et merci, Seigneur, de consacrer cette communauté. Elle est particulière. Et nous voulons la regarder avec respect, avec fragilité en toi. Seigneur, aide-nous, une fois que nous avons dit cela, à être à la hauteur. Souvent, nous avons du mal. Nous sommes à même de vouloir, mais pas toujours d'accomplir. Seigneur, permets-nous d'accomplir, et pas simplement de vouloir. Montre-nous avec comment, avec intelligence, nous pouvons véritablement rentrer dans ce que tu as prévu pour nous. Je te bénis, Père, pour tes enfants. Je sais, Père, que dès à présent, toi, tu es celui qui est en train de faire du bien, que tu vas les bénir, tu vas les conduire. Parce que tu les aimes bien plus que nos pasteurs, nous pourrions les aimer. Seigneur, merci de la grâce qu'il y a à te servir, à l'Église en action. Merci de nous avoir intégrés dans la famille de Dieu. Béni sois-tu, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.